Chapitre 15. Enfin, l'Argentine. Par un beau matin d'hiver ensoleillé, ils montèrent à bord du Dom Pedro en provenance du Havre à destination de Buenos Aires. C'était un paquebot magnifique de la compagnie des chargeurs réunis. Il y avait déjà à peu près 80 passagers à bord et une cinquantaine de membres d'équipage. Maria avait réservé deux cabines de deuxième classe, l'une pour elle et ses filles, l'autre pour les garçons, qu'il a partagé avec deux autres passagers. À bord de Pauillac, ils furent une trentaine à embarquer. Le bateau en briques était très grand. Il mesurait plus de 100 mètres de long et 12 mètres de haut et était divisé en 5 compartiments étanches. Le voyage devait durer une dizaine de jours et, pour Maria, c'était ses premières vacances. Elle n'avait plus à s'occuper des repas et du ménage, sauf à entretenir la cabine, qui était très petite. La journée se déroulait lentement, elle se promenait sur le pont avec ses filles et elle se reposait sur des chaises longues mises à leur disposition. Claire leur faisait la lecture de livres empruntés à la bibliothèque du navire. Elle put ainsi apprendre que la Numidie, dont l'Algérie faisait partie, avait eu une reine courageuse et fière. Sophonisbe, qui, selon la pièce de théâtre de Pierre Corneille, aurait préféré le poison à la soumission à Rome et se serait écrié avant de mourir, et n'étant plus qu'à moi, je meurs tout à Carthage. Outre la lecture, elles jouaient aux cartes avec les garçons et elles étaient régulièrement invitées à la table du capitaine qui ne cessait de regarder Rose et Éléonore. Au bout de quelques jours, le bateau fit une escale à Cargill en Espagne pour prendre une centaine d'émigrants pour l'Argentine. Leur confort ne fut pas entamé car ces pauvres gens voyageaient, comme l'avait fait Joseph, dans l'entrepont. Les garçons se mêlaient souvent à eux. Ils préféraient leur compagnie et leur fête à celle des passagers en cabine. Ils descendirent à chaque escale pour visiter. Ce voyage était unique et il leur fallait profiter de toutes les occasions. Maria avait télégraphié à Joseph la date de leur arrivée à sa dernière adresse connue. Elle n'avait pas reçu de réponse, mais elle était sûre qu'il les attendrait à la descente du bateau. La traversée de l'Atlantique se passa sans incident notoire. Le temps fut agréable et la mer peu agitée. Ils arrivèrent enfin à Montevideo. Il ne restait plus qu'une dizaine d'heures avant l'arrivée à Buenos Aires. La plupart des passagers de première classe quittèrent le navire pour se rendre plus rapidement en Argentine sur de légers vapeurs fluviaux. Pour cette raison, Maria et ses enfants purent accéder au pont des premières classes afin de mieux apprécier la fin du voyage. Le paquebot avait considérablement réduit sa vitesse dans le delta du Rio de la Plata, dont la superficie est d'environ 30 000 m². En dépit de cette immensité, la zone navigable pour ce paquebot, à fort tirant d'eau, n'était large que de 100 à 150 mètres sur une longueur de 230 km. La navigation était donc difficile, mais le commandant du bateau était un homme d'expérience qui avait fait maintes fois cette traversée. Les eaux du delta étaient troubles et un vent du sud s'était levé. Au bout de quelques heures, le bateau fut entouré de légères embarcations qui venaient de Montevideo. L'un de ces steamers augmenta sa vitesse et fonça droit sur le Dom Pedro par tribord. Le paquebot fit un écart, changea de cap et s'immobilisa. Un affolement général se développa parmi les passagers qui couraient dans tous les sens. Les membres d'équipage essayaient de les rassurer en disant qu'il s'agissait d'un simple échouement par enlisement dans les limons, que le bateau n'était pas endommagé et qu'il ne coulerait pas. Pourtant, la coque en brique se mit à pencher, et ce, de plus en plus rapidement. Maria était pétrifiée, les filles pleuraient et leurs frères voulaient se jeter à la mer. Devant l'impossibilité de dégager le bateau, le commandant décida de mettre les chaloupes à la mer. Seuls les passagères en cabine et leurs jeunes enfants furent autorisés à monter dans les chaloupes, bien sûr sans leurs bagages. Les hommes et les émigrants devaient attendre le secours des steamers et autres embarcations. Maria, Rose, Claire et Éléonore montèrent dans une de ces chaloupes de tribord. Joseph et François Manuel, qui savaient très bien nager, sautèrent par-dessus bord et suivirent la chaloupe. Heureusement, ils furent tous recueillis par un steamer une centaine de mètres plus loin.
La distinction entre les émigrants et les autres passagers n'étant plus possible, ils furent tous conduits sur une petite île au fond du delta. Ils arrivèrent 2 heures plus tard sur l'île de Martin Garcia, qui leur sembla être le paradis. De très vieux ceibas et des lauriers créoles ombrageaient l'île. Des militaires les accueillirent et les conduisirent dans une petite église pour se reposer. Ils purent ainsi boire de l'eau et manger du pain fabriqué sur place. Maria et ses enfants avaient tout perdu, papier, argent et linge. Des religieuses leur fournirent des chemises et pantalons propres pour les hommes et des robes en toile pour les femmes. Un officier vint leur expliquer que les passagers devaient subir un examen médical et rester en quarantaine avant de pouvoir regagner Buenos Aires. « Mais comment prévenir père ?» demanda Rose. « Les autorités argentines le préviendront et il reviendra nous chercher à notre retour, » répondit Maria sans aucune certitude. « Le plus urgent est de regagner Buenos Aires et de demander un duplicata de nos passeports au consulat. » Ils passèrent la nuit à l'hôpital et subirent un examen médical approfondi 2 jours après. Les médecins les ayant déclarés aptes à entrer en Argentine, ils furent transportés à Buenos Aires à la fin de la semaine sans subir la quarantaine. Bien évidemment, Joseph ne les attendait pas à leur arrivée. Cela n'inquiéta pas Maria outre mesure. Elle se dit qu'il les retrouverait facilement s'ils se rendraient à son ancienne adresse. Coventillo, Euskara a la Boca. Ils firent le chemin à pied et ils trouvèrent la grande maison avec une cour intérieure. Toutes les ouvertures donnaient sur ce patio où trônait une cuisinière à bois. Maria s'adressa à une vieille femme en espagnol pour lui demander si elle connaissait Joseph et Esquivel. La femme ne répondit pas, elle ne comprenait que le basque. Une jeune femme, dénommée Mayana, s'approcha d'eux et dit en français que les émigrants arrivés en 1881 étaient tous partis et qu'aucun n'était revenu. Maria lui raconta son histoire et la détresse dans laquelle ils se trouvaient, sans papier et sans argent. La femme eut pitié d'eux et leur proposa une chambre de 10 mètres carrés environ pour elle et ses enfants. Elle leur assura qu'au port de la Boca, ses fils trouveraient du travail. Après une nuit réparatrice, bien qu'il n'ait eu comme literie que 2 grandes paillasses, José et François Manuel se dirigèrent à 5 heures du matin vers les quais. Maria laissa ses filles dormir et se rendit très tôt au consulat de France. Lorsqu'elle arriva devant les bureaux, une queue de 100 mètres était déjà formée. Elle y passa la matinée et ce n'est que vers 15 heures qu'elle put atteindre le guichet. Elle expliqua sa situation à un fonctionnaire compatissant mais peu efficace. Il lui fit remplir des formulaires pour retrouver la trace de son mari et pour obtenir des duplicatas de leur passeport. « Il vous faudra revenir dans 2 mois avec vos enfants et de l'argent pour payer les formalités administratives, » lui dit-il en lui serrant la main. « Et pour mon mari ?» demanda Maria. « Quand saurai-je »« On vous écrira, » répondit le fonctionnaire sans conviction. Maria fondit en larmes et retourna au Coventillo complètement désespérée. Elle y retrouva Mayana à qui elle se confia. « Je ne retrouverai jamais mon mari. » Et je ne peux même pas retourner à Tlemcen car je n'ai plus ni papier ni argent. Ce voyage est une folie, je n'aurais jamais dû écouter mes enfants. Calmez-vous, Maria. Si vous ne pouvez compter sur l'aide du consulat, vous pouvez demander celle des associations de bienfaisance. Demain, vous vous rendrez à la Société de protection aux immigrants français et je suis sûre qu'ils vous aideront à retrouver votre mari. Maria cessa de pleurer et embrassa Mayana et l'aida à faire la cuisine. Les Basques sont très hospitaliers et très solidaires. Chacun aida Maria et ses enfants à se vêtir et à trouver du travail. Le barrio de la Boca était surtout peuplé d'Italiens. Ces derniers accueillirent aussi très chaleureusement la famille Campero. Les garçons se firent embaucher comme dockers au port et les filles comme serveuses dans les petits restaurants du quartier. Maria courait dans toute la ville pour chercher des informations. Elle se rendit donc à la société indiquée par Mayana. Elle partit vers 7 heures du matin vers le centre de la ville. Elle arriva devant la Casa Rosada, futur siège de la présidence. Ce palais venait d'être agrandi à la demande du président de la nation, Luis Sáenz Peña. Sa couleur rose était due à un revêtement à base de sandou, de sang de bœuf et de chou.
Maria demanda son chemin et, 20 minutes après, elle entrait dans un petit immeuble, siège de la société. Elle y fut aimablement reçue par un employé qui, tout en la conduisant dans son bureau, lui demandait l'objet de sa recherche. Maria raconta son histoire et décrivit son mari et son ami Esquivel. L'employé consulta ses registres et lui dit « Hélas, madame, le nom de votre mari ne figure pas sur nos registres. En revanche, nous avons inscrit un certain Xavier Esquivel qui vit toujours à Caseros. » « Ah !» s'exclama Maria, « vous me sauvez la vie. Si je peux joindre Monsieur Esquivel, je retrouverai mon mari. » L'employé, apitoyé par les larmes de joie de Maria, accepta de lui donner l'adresse d'Esquivel. C'est en sautillant que Maria fit le chemin du retour. Elle entra dans l'église de Nuestra Señora de Belén pour y prier la Vierge Marie et la remercier de son aide à retrouver Joseph. José et François Manuel rentrèrent assez tôt dans la soirée. Maria les attendait avec impatience. Ils virent immédiatement son large sourire et comprirent qu'elle avait réussi dans ses démarches. Mes chéris, j'ai du nouveau. Nous partirons, José et moi, à la recherche de votre père à la fin du mois. 2 semaines plus tard, la famille avait gagné assez d'argent pour permettre à Maria et à José de partir. Ils s'embarquèrent sur un steamer fluvial pour remonter le Rio Uruguay jusqu'à Caseros. Le petit vapeur faisait du cabotage et s'arrêtait dans tous les petits ports pour prendre des capatas, contremaîtres des exploitations agricoles et forestières, aux bottes vernies ou des peones, paysans, aux larges pantalons, ceinturés de cuir et de pièces de monnaie. Ils portaient de grands chapeaux et les femmes étaient vêtues de robes aux couleurs éclatantes. Le bateau se mit à siffler et démarra lentement. L'embouchure du fleuve était très large et le bateau s'élança puis ralentit sa course en raison du trafic. Les eaux étaient boueuses et les rives couvertes d'une dense végétation. Des arbres serrés en sous-bois épineux où s'entremêlaient des lianes. Quelques maisons en bois bordaient la rive. Elles abritaient des Amérindiens ou des Noirs, anciens esclaves. Ces hommes étaient pauvres, ils vivaient de pêche et de cueillette. S'ils faisaient un signe au capitaine, le bateau s'arrêtait soit pour les ravitailler, soit pour prendre un malade à conduire à la ville la plus proche. Maria et José comprirent très vite qu'à ce rythme, le voyage serait long et qu'ils avaient eu raison de louer une cabine. Enfin, si l'on pouvait appeler ainsi ce réduit, sans aération, plongé dans l'obscurité et d'une saleté repoussante. Les voisins de l'île étaient des cafards, des rats et des araignées velues. Mais pire encore étaient les moustiques qui piquaient la peau claire et suçaient le sang sucré de José. Le bateau, en raison des basses eaux de la saison d'été austral, ne circulait que le jour afin de pouvoir sonder le lit du cours d'eau et éviter les bancs de sable. Les rives présentaient par endroits de larges plages de sable, comme l'arrivée à San José. C'était une grande ville coloniale de la province d'Entre Ríos. Un passager raconta à Maria que cette ville avait été reconstruite après sa mise à sac par les troupes de Garibaldi en 1845. Les nationalistes italiens étaient venus en Uruguay pour soutenir la révolte contre le caudillo sanguinaire Juan Manuel de Rosas. Ce dernier gouverna l'Argentine pendant plus de 20 ans. Il s'appuyait sur les gauchos, gardiens de troupeaux, et les grands éleveurs partisans de la fédération. Ce n'est qu'en 1852 que le caudillo Justo José de Urquiza, qui avait tout d'abord soutenu Rosas, leva une armée composée de partisans de l'Union, des Uruguayens et des Brésiliens. Ils écrasèrent les troupes de Rosas à Caseros. Mon mari m'avait raconté cet événement dans ses lettres. « C'est là que nous nous rendons dans l'espoir de le retrouver », déclara Maria. « Comme c'est intéressant, narrez-moi votre histoire », répondit le gentleman. Maria, espérant toujours rencontrer quelqu'un qui aurait connu Joseph, ne se fit pas prier. Les passagers les plus fortunés quittèrent l'embarcation pour passer la nuit à l'hôtel. Maria et José, ne pouvant se le permettre, restèrent à bord. Ils regardèrent le débarquement de la farine, du pétrole et des animaux. Maria poussa un cri en voyant une mule jetée par-dessus bord. Celle-ci ne s'affola pas
et regagna la rive sans problème. Après une nuit agitée et sans réel repos, Maria et José se levèrent vers 7 heures et prirent un bol de café avec une miche de pain. Ils devaient ainsi tenir la journée sans autre repas. Ils passèrent la deuxième nuit dans le port de Concepción del Uruguay, où ils arrivèrent suffisamment tôt pour descendre et visiter la ville. Maria voulut prier dans la Basilica de l'Immaculada Concepción, où repose le célébrissime Urquiza. Le troisième jour, le paysage changea. Les rives étaient bordées de grands palmiers yatés où se faufilaient de grands lézards au verreau. Ils passèrent la nuit à Concordia, grand marché d'agrumes. Le dernier jour de voyage devait les conduire à Caseros. Leur débarquement fut plus facile que celui décrit par Joseph dans ses dernières lettres. Le village était devenu une ville et Maria ne retrouva pas le Coventillo qui avait abrité son mari. Ils se rendirent dans une entreprise de construction et demandèrent si Joseph Campero y travaillait. Le patron de l'entreprise lui expliqua qu'il n'avait fondé sa société qu'en 1889 et qu'il ne connaissait pas cet homme. Maria et Joseph se rendirent à la mairie où leur recherche fut tout aussi infructueuse. Le seul espoir était de trouver Esquivel qui était resté dans la région. Ils prirent une chambre dans un hôtel et dès le matin, ils partirent en charrette tirée par un cheval en direction de la ferme. Ils arrivèrent devant une belle maison avec 2 grands corps de bâtiment séparés par une cour intérieure. La maison était entourée d'un jardin où avaient été plantés des arbres fruitiers étendus en espalier le long des murs. Maria put constater que la famille Esquivel avait fait fortune. Une femme, brune noirâtre, portant un joli tablier blanc, vint au-devant d'eux. Elle ne parlait que l'espagnol et Maria lui demanda si ses patrons étaient là. Une très belle femme sortit de la maison et se dirigea vers eux. « Je suis l'épouse de Xavier. Il devrait rentrer pour déjeuner. Entrez, je vous en prie, nous l'attendrons ensemble autour d'un verre de Porto, » dit-elle en prenant la main de Maria. La maison était magnifiquement meublée dans le style Henri II. Les murs étaient tapissés de rouge et les boiseries rappelaient le manteau de la cheminée Renaissance. Maria raconta encore une fois son histoire et Madame Esquivel, ne voulant pas la désespérer, lui dit simplement que Joseph était parti depuis des années. Il avait suivi une colonie d'Anglais pour travailler dans l'import-export de sucre. « Ne vous tourmentez pas, Maria, Xavier a certainement des nouvelles de Joseph. Il pourra vous renseigner. » Maria eut les larmes aux yeux, mais elle ne voulut pas craquer devant son hôtesse. Un bruit de bottes annonça l'arrivée du maître de maison. Son épouse se leva et lui cria presque. « Maria, la femme de Joseph Campero vient d'arriver de Tlemcen. Elle est à la recherche de son mari. » Esquivel marqua un temps d'arrêt, puis il se reprit et vint saluer Maria et son fils. « Madame Campero, vous avez fait un très long voyage depuis l'Algérie et vous devez être bien fatiguée. Pourquoi est-ce arrivée aujourd'hui après tant d'années ?» lui demanda-t-il en l'invitant à se rasseoir. « Je suis venue chercher Joseph pour le ramener en Algérie où la situation a bien changé depuis votre départ. Le pays a été pacifié et tous les Européens nés en Algérie sont maintenant français. » Joseph n'a plus de raison de rester en Argentine. Savez-vous où il se trouve ? Hélas, chère madame, Joseph est parti pour Buenos Aires et il ne nous a plus donné de nouvelles depuis son départ avec la colonie anglaise de Patagonie. Je sais seulement qu'ils avaient pour objectif de travailler dans l'exportation du sucre vers l'Angleterre. Si vous vous rendez au port de Buenos Aires, vous pourrez peut-être le retrouver. Maria explosa en sanglots. José se leva pour la soutenir et Madame Esquivel lui servit un deuxième verre de Porto. « Vous resterez avec nous pour déjeuner avant de reprendre la route. »« Nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, » répondit José. Esquivel insista et leur proposa de les ramener en fiacre à Caseros. Le repas fut pris en silence, puis ils rentrèrent à l'hôtel. Dès le lendemain matin, ils reprirent le steamer en direction de Buenos Aires. Les filles et François Manuel attendaient leur retour avec impatience, mais en voyant le visage triste de leur mère, ils comprirent que la recherche n'avait pas abouti. Maria leur raconta leur périple et termina par cette phrase sans espoir : « Nous attendrons nos papiers et dès que nous aurons réuni la somme nécessaire à notre départ, nous embarquerons pour Marseille et Oran. Nous ferons le voyage de retour en entrepont. Je suis très pressée de retrouver notre pays, nos amis et notre vie tranquille.
Nous nous sommes passés de Joseph, votre père, et nous continuerons à le faire. » Rose pleura beaucoup, car elle se souvenait très bien de son père, contrairement à Claire et à Éléonore. Les garçons étaient déçus, mais sans chagrin réel. La vie au barrio de la Boca était agréable. Les maisons en tôle ondulée, peintes dans des couleurs vives, étaient habitées par des Italiens gais, démonstratifs et très accueillants. José et François Manuel trouvaient tous les matins une embauche sur le port. Maria avait accepté un emploi de blanchisseuse avec Éléonore. Rose et Claire étaient serveuses dans un petit restaurant italien. Le questionnement dans les entreprises du port au sujet de Joseph n'avait rien donné et ils commençaient tous à se résigner. Un midi au restaurant, Rose entendit un monsieur, bien mis de sa personne, parler de la société anglaise d'import-export de sucre argentin et de gâteaux anglais. Elle s'approcha de lui et lui demanda poliment s'il ne connaissait pas un certain Joseph Campero qui venait d'Algérie. « Un grand blond aux yeux bleus ?» demanda l'homme. Rose se sentit défaillir. « Oui, » dit-elle en tremblant. « Mais oui, j'en connais un qui travaille dans la même entreprise que moi. Pourquoi le cherchez-vous ? » Rose courut demander la permission à son patron de s'asseoir un moment près de ce client qui connaissait son père. Elle revint s'attabler avec l'homme en question et lui raconta toute son histoire. Monsieur Smith écouta Rose sans l'interrompre. Lorsqu'elle lui demanda l'adresse de son père, il répondit « Ma chère enfant, je ne peux vous donner son adresse car je ne la connais pas. Nous travaillons dans la même entreprise mais nous ne nous fréquentons pas. Il est présentement à Salta en inspection des cultures de la canne à sucre pour le compte de Monsieur John Lynn, directeur de notre société d'import-export. Dès son retour la semaine prochaine, je lui ferai part de votre visite et je lui donnerai votre adresse à Buenos Aires. » Rose lui sauta au cou et l'embrassa en le remerciant. Puis elle demanda la permission d'aller prévenir sa mère. Maria avait les mains dans un baquet lorsque Rose fit irruption. « Maman, maman, c'est merveilleux, nous avons retrouvé papa !» cria-t-elle en se jetant sur sa mère abasourdie. Elle lui raconta son entrevue avec Monsieur Smith et lui assura que la prochaine semaine les verrait tous réunis. Maria pleura de joie en pensant que tous ses ennuis allaient enfin prendre fin et qu'il s'en retournerait bien vite à Tlemcen. Elle était cependant un peu inquiète de revoir Joseph. Comment était-il? Avait-il vieilli? Était-il en bonne santé? Toute la famille se réjouit et ils achetèrent une bonne bouteille de vin argentin pour fêter ça. La deuxième semaine se passa sans que Joseph ne leur rende visite. Maria commençait à être très inquiète, d'autant que Monsieur Smith ne leur avait pas laissé son adresse. Ce dernier réapparut au restaurant 15 jours après et demanda à parler à Rose. « Chère Rose, j'ai enfin pu voir votre père et je lui ai fait part de votre présence à Buenos Aires. Il souhaite rencontrer votre mère seule chez moi dans 3 jours. »« Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi tant de mystère, » dit Rose entre deux sanglots. « Il y a plus de 10 ans que vos parents ne se sont pas vus. Ils ont certainement beaucoup de choses à se dire. » Rose ne savait pas comment prévenir sa mère sans l'inquiéter. Cette dernière expliqua à ses enfants qu'elle trouvait l'idée de leur père judicieuse, l'émotion des retrouvailles entre époux ne se partageant pas. Claire et Éléonore pensèrent que les adultes étaient bien compliqués et José exprima quelques inquiétudes. « Mère, souhaitez-vous que je vous accompagne? Je vous attendrai dehors. » « Non, non, merci mon chéri, ton père et moi reviendrons ensemble pour vous embrasser. » Maria dormit très peu les 2 nuits suivantes. Elle ne comprenait pas que Joseph n'ait pas couru vers eux après avoir été prévenu par M. Smith. Et pourquoi cette rencontre devait-elle se faire chez M. Smith et non au domicile de Joseph? Maria imagina que Joseph était riche et qu'il avait peut-être honte de sa famille, ou bien qu'au contraire, son logement n'était pas digne de les recevoir. Enfin, elle verrait bien, il fallait qu'elle arrête de penser, la tête commençait à lui tourner. Vers 16 heures, elle sonna à la porte de la maison de M. Smith, qui vient lui ouvrir et la conduisit au salon. Là, se tenait debout un homme très élégant qui tournait le dos à l'entrée. Monsieur Smith s'éclipsa et referma les portes du salon. Maria se figea et regarda l'homme qui se retournait lentement. C'était bien Joseph. Il avait pris quelques rides qui lui donnaient un air plus sérieux. Elle voulut se jeter dans ses bras, mais Joseph baissait les yeux et restait immobile. « Joseph, c'est bien toi ?» « Je n'osais plus l'espérer, » dit-elle d'une voix douce à peine audible. Joseph se précipita vers elle et en la serrant dans ses bras, répéta comme pour lui-même « Pourquoi si tard ?»
Maria releva la tête et lui baisa les joues et la bouche. Joseph lui rendit fougueusement son baiser et elle sentit que des larmes mouillaient ses lèvres. « Pourquoi pleures-tu, Joseph? Le bonheur ne rend pas triste. »« Ma chérie, il faut que nous parlions sans plus attendre. Après, je n'en aurai plus le courage. » Ils prirent place l'un près de l'autre dans le grand canapé d'époque victorienne en acajou blond effilé d'incrustations de bois de citronnier. Joseph prit la main de Maria et lui dit, les larmes plein les yeux, « Pourquoi as-tu mis tant d'années à me rejoindre ? Mais Joseph, tu ne m'as jamais vraiment encouragé à venir. Lorsque tu étais à Caseros, tu m'écrivais que ton logement était exigu et que ton salaire n'était pas à la hauteur de tes espérances. Puis tu as cessé de m'écrire et je n'avais plus ton adresse. Les enfants ont décidé de te retrouver pour te ramener à Tlemcen. La vie y est devenue très agréable et tu auras la nationalité française. » Joseph baissa les yeux et chuchota. « Hélas, ma chérie, c'est trop tard. Pardonne-moi, je vais te faire de la peine, mais je ne peux plus partir. Je suis argentin et j'ai maintenant un très bon travail. En revanche, toi et les enfants, vous devez rester. Mais notre vie est en Algérie. Hélas, la mienne est ici. J'ai épousé la fille de mon directeur et nous avons un fils. » Maria fut abasourdie comme en état de choc. Elle ne pouvait plus prononcer une parole. Elle regardait fixement son mari. « Maria, il faut me comprendre. J'ai cru que tu ne viendrais jamais, mais je me rends compte que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Reste en Argentine avec les enfants, j'ai les moyens de m'occuper de vous. » Maria se leva et d'un regard furibond, elle lui lança. « Jamais, tu m'entends, je ne serai une femme entretenue, ta maîtresse, alors même que tu es mon époux légitime. » « Calme-toi, Maria, et ne crie pas, il y a du monde à côté. Si je pars, si tu veux voir les enfants, viens demain au Coventillo Oscara à 10 h, je dois les préparer à cette nouvelle. » Maria se sauva plus qu'elle ne partit, sans un regard pour Joseph. Sur le chemin du retour, elle pleura, ne sachant analyser ses sentiments, chagrin, humiliation, jalousie ou colère. Elle se calma en marchant et décida de faire bonne figure devant les enfants, en leur exposant la situation. Ils l'attendaient devant leur habitation, bouillant d'impatience d'apercevoir leur père. Voyant arriver Maria seule, Rose se précipita inquiète. « Pourquoi père n'est-il pas avec toi? Est-il malade ou infirme ?»« En un certain sens, oui, il est bigame. » Et Léonore se pencha vers Claire pour lui demander de quelle maladie il s'agissait. Claire ne répondit pas, elle prit sa mère dans ses bras et l'embrassa. Ils rentrèrent chez eux pour ne pas se donner en spectacle et Maria leur raconta l'entrevue. « Je ne veux pas le voir, c'est un salaud !» s'exclama Claire. José et François-Manuel décidèrent de rencontrer leur père, l'un pour lui demander de l'argent, l'autre pour obtenir l'autorisation de se marier. Rose, qui était l'indulgence personnifiée, voulait le revoir pour entendre les explications qui excuseraient son attitude. Et Léonore décida de suivre Claire et de se cacher pour apercevoir la tête de ce père qu'ils avaient tant attendu. La rencontre fut froide et sèche. Seule Rose essaya de comprendre son père, mais ce dernier était si mal à l'aise qu'il ne sut l'attendrir. Joseph revint la semaine suivante avec de l'argent pour Joseph et Maria. Il prenait en charge leur retour à Tlemcen en première classe pour se faire pardonner. Maria ne voulait pas de l'argent de Catalina l'anglaise, mais les enfants insistèrent pour que le dédommagement soit accepté. Maria et les enfants se rendirent ensuite au consulat pour récupérer la copie de leur passeport. L'employé reconnut Maria et lui dit que les recherches concernant Joseph Campero avaient été fructueuses. Il y avait un Argentin habitant Buenos Aires qui portait ce nom, mais qui était marié avec une certaine Catalina Lynn. Maria n'était ni méchante ni vindicative. Elle savait que la bigamie était un crime passible d'emprisonnement. Alors elle répondit. « Hélas, j'ai rencontré ce monsieur, ce n'est pas mon mari, il s'agit d'une homonymie. Mon époux a certainement quitté l'Argentine pour le Brésil ou l'Uruguay. En rentrant en Algérie, j'entreprendrai de nouvelles recherches. Je vous remercie néanmoins pour vos efforts. » Par une belle journée de mars 1895, ils embarquèrent pour Marseille. Épilogue. Le voyage de retour fut une fête pour les enfants. Seule Maria avait dans le regard une infinie tristesse qui se dissipa en retrouvant sa ville de Tlemcen. Elle lut dans la presse avec effroi que leur bateau, le Dom Pedro, avait sombré à Caril le 28 mai 1895 et qu'une centaine de personnes avaient péri dans le naufrage.
Elle reprit son atelier, Joseph acheta les fours à chaux de M. Fabre, François-Manuel se maria le 28 septembre 1895 avec son Isabelle, Rose s'était fiancée à Vincent Cardoni, Claire avait retrouvé son emploi à la poste et Éléonore travaillait à l'atelier avec sa mère. En 1899, Maria reçut une lettre en Argentine. Esquivel l'informait du décès de Joseph qui avait contracté la malaria en forêt amazonienne, au nord du pays, à la recherche de nouvelles terres à canne à sucre. Maria fut peinée et pensa qu'enfin elle était libre de se remarier. Dans sa vie, il y avait toujours Henri Piétron, son amant secret. Mais pourquoi se remarier après tout ? Fin.